Bonjour, je m'appelle Valérie Dijon et je vous présente la méthode de lecture et d'écriture Lire au CP avec Filet du Duc des éditions Accès. C'est une méthode qui est entièrement déchiffrable et qui répond aux préconisations ministérielles en vigueur en ce qui concerne la lecture et l'écriture. Donc voici le guide de l'enseignant de la méthode de lecture Filet du Duc. Il est entièrement clé en main, il est explicite, simple d'utilisation et décrit chaque étape de la démarche. Vous pourrez trouver des pictos qui vous disent exactement dans quelle étape de la démarche vous êtes. On y trouve également des QR codes qui vous permettent de visionner le tracé des lettres ainsi que le son des graphèmes. On y trouve chaque jour les mots à dicter aux enfants, les mots de la dictée. On y trouve également des exercices d'étude de la langue, des exercices de compréhension, des exercices de production d'écrit, et ainsi que des exercices de différenciation qui sont téléchargeables sur les compléments numériques. Vous y trouverez également, à la fin de chaque période, des évaluations clés en main qui vous permettront de situer le niveau de chaque élève. Vous y trouverez le tracé de chaque graphème. Chaque chemin est bien explicité. Vous y trouverez de la discrimination phonologique ainsi que de la discrimination visuelle. Vous y trouverez également des jeux de fluence pour améliorer la lecture des élèves. Des jeux de mémorisation, on y mémorise non seulement l'orthographe mais aussi le sens de chaque mot. Et vous y trouverez également des entraînements à la copie. Ces outils complètent la méthode de lecture, mais pas de panique, si vous n'avez pas d'outils numériques en classe, tout est bien explicité dans le guide de l'enseignant. Plus de 700 cartes mots qui sont illustrées et qui sont tirées des textes relatant les aventures de Filet et Lulu sont à projeter ou alors imprimer. Elles peuvent aussi être le support pour des ateliers de lecture ou d'écriture, la dictée muette par exemple, et elles sont surtout une aide à la mémorisation du lexique avant la lecture des textes en autonomie. La méthode comprend aussi des cartes repères pour chaque graphème, qui sont illustrées par Christian Boltz. Alignage collectif avec les repères terre, herbe, ciel pour s'entraîner au chemin des lettres. Et ce lignage est aussi individuel et imprimable dans la méthode pour que chacun puisse s'entraîner. Le manuel de lecture de la méthode Lire au CP avec Filet du Duc est volontairement sobre. Il privilégie la lecture. Il y a une absence presque totale d'illustration pour ne pas laisser place à la devinette. Les textes sont différenciés. Il y a des parties en gras pour les élèves qui sont un peu plus en difficulté. On y trouve tout d'abord les syllabes, les pseudomots, puis les mots qui se retrouvent dans le texte, et enfin les textes des aventures drôles de Filet et Lulu. On y trouve également des textes fonctionnels. Le cahier de l'élève pour s'entraîner individuellement et en toute autonomie avec des exercices de code et des exercices de compréhension avec des pictogrammes explicites pour que chaque élève sache ce qu'il a à faire et avec un lignage progressif en fonction des périodes de l'année. Le cahier d'écriture de la méthode Lire au CP avec Filet Lulu avec un lignage évolutif. Avec un modèle d'écriture à gauche et à droite pour les gauchers, avec un rabat pour les entraînements à la copie, qui nous permet d'appliquer ici individuellement les stratégies de copie qu'on a apprises collectivement. Les trois outils de l'élève sont disponibles dans les compléments numériques et peuvent être projetés. Ils facilitent grandement la passation de consignes, la correction collective. 5 albums de jeunesse, illustrés par Christian Boltz, viennent clôturer chaque période de l'année. Nous avons au début Filet Lulu, à Noël Petit Papa Barbu, L'Abri pour la période hivernale, Mais que fait-il, et nous terminons par Bois Joli. Ces 5 albums donnent lieu à des activités de compréhension et de production écrite qui sont détaillées dans le guide de l'enseignant et téléchargeables. Par exemple, pour L'Abri, vous trouverez des marottes qui sont utilisées pour travailler la compréhension de l'album. Chaque album est également disponible au format poche pour que chaque élève puisse se les approprier.
Une méthode pour des élèves qui entrent dans le décodage, mais qui travaillent également la compréhension, grâce à deux petits personnages, Phil et Lulu, qui emportent l'adhésion de tous les élèves. Tous les outils de la méthode sont regroupés dans un premier pack, dans lequel vous trouverez le guide de l'enseignant, l'alphabet mural ainsi que le lignage collectif, les cartes repères, le manuel de l'élève, le cahier de l'élève, le cahier d'écriture, ainsi que les 5 albums qui clôturent les périodes illustrés par Christian Boltz. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez dans un second pack les albums qui sont en lien avec la méthode. Vous avez un conte musical, des courtes, voilà, un abécédaire, un livre de recettes, ainsi que les documentaires qui ont trait avec les histoires de Phil et Lulu. Et voilà! Hop. Et pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site Accès. Vous recevrez à la maison ce colis. En bonus, il suffira de découper les deux marottes de Phil et Lulu Collector.